Je suis très contente de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo comme on en voit partout sur YouTube en ce moment, mais c'est pas grave. Il y a pas mal de filles qui font des vidéos où elles montrent ce qu'elles ont trouvé pendant les soldes ou simplement pendant leur shopping. Et force est d'admettre que malgré le fait que je sois pas habituellement une grande dépensière, c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder. Du coup, je me suis dit que j'allais faire pareil. Donc c'est sur l'espace de 1 mois et demi, 2 mois, où on a refait une partie des armoires des enfants et puis une partie de la mienne vraiment à tout petite échelle. Et du coup, je fais une vidéo avec ça parce que peut-être que potentiellement, ça peut vous intéresser aussi. Déjà, je vais vous montrer ce qu'on a trouvé pour les enfants. Avec ma maman, on a découvert la marque Molo. C'est une marque de vêtements qui sont vraiment juste trop canon. J'aime vraiment trop leurs motifs. La qualité, elle est juste dingue. C'est des vêtements qui valent relativement cher, mais on les a trouvés en vente privée sur Zalando Lounge, je crois, je suis pas sûre. Et du coup, Willow a ce pull-là qui ressemble un petit peu à la terre. Il a reçu aussi ce pull-là, exprès pour le petit musicien qu'il est. Nao a reçu 2 tenues trop chou. J'ai jamais vu des marques qui font des choses aussi rigolotes, même si j'ai pas mal de vêtements un petit peu alternatifs pour Nao, mais alors ça, franchement, ma maman lui a trouvé ce petit leggings Sarouel avec des cochons dessus que je trouve absolument génial. Il est encore un petit peu grand pour lui, ce qui est plutôt pas mal parce que de toute façon avec le chaud qu'il fait en ce moment, j'ai pas envie de lui faire porter des choses longues, mais je vous montre les motifs de près, c'est juste trop canon. Et toujours dans la même marque, elle lui a trouvé ce pyjama là qui est avec des motifs trop drôles aussi. Je vous montre aussi de près un petit peu. Évidemment, c'est un pyjama qui est beaucoup trop grand pour lui, donc pareil, il va le mettre je pense à l'automne ou bien alors cet hiver. Il est assez fin, donc c'est à la limite un pyjama qu'il aurait pu porter déjà en cette saison, surtout qu'il n'y a pas de pied, donc c'est vraiment super pratique, en particulier pour Nao qui n'aime pas du tout avoir quelque chose sur les pieds. Mais du coup, bah voilà, on va se rattraper un peu plus tard. Je crois que Molo, c'est une taille qui marque relativement grand, parce que quand je vois les tailles, en sachant que c'est la taille de Nao, je constate que c'est absolument pas la bonne taille. Et Eileen, dans la même marque toujours, elle a eu ce petit maillot de bain là, qui est vraiment trop chou, et vous voyez les tissus, ils sont juste magnifiques. Je vois vraiment rarement des marques qui font des motifs aussi chou. Et pour le coup, j'aime vraiment. Il y a des petits volants en bas, c'est croisé dans le dos, il est vraiment trop joli ce maillot de bain. Sinon, Willow a eu 2 jeans de la marque Levi's, c'est ses premiers Levi's. D'ailleurs, moi, je crois que je n'en ai absolument jamais eu, ou alors peut-être adolescente, mais je m'en rappelle pas. Enfin voilà, un tout simple, et un bleu comme ça, qui est aussi en jeans, mais un petit peu plus fin. Je pense qu'il est assez bien pour maintenant, simplement je crois qu'il est un petit peu grand, donc on va attendre un petit coup. C'est une taille 8 ans, Willow a 7 ans et demi, bientôt 8 ans, mais c'est vrai qu'il est assez fin. Du coup les pantalons, souvent on est assez coincé parce qu'au niveau des hanches c'est beaucoup trop grand, mais par contre la longueur est bonne. Et enfin, toujours pour Willow, on lui a trouvé ce petit pull là chez Zara. Je sais pas si on voit bien, mais c'est un pull un peu en 3D, où le chien il dit soit hey, soit bye. Et c'est lui qui l'a choisi, il le trouvait assez rigolo, et ça c'était au solde à Zara. Tout ce que je vous ai montré avant, c'était vraiment sur des ventes privées. Moi, toujours chez Zara, j'ai trouvé ce petit haut là, qui est un haut qui est vachement transparent, mais je vais quand même l'essayer avec la tenue que j'ai maintenant. Je vous avais parlé plusieurs fois de la marque Leadpool. Leadpool, c'est une marque qui crée des vêtements qui sont mix and match, c'est-à-dire que vous allez prendre indépendamment le haut et le bas en fonction de ce qui vous plaît, et puis ensuite vous pouvez les combiner ensemble, et c'est des vêtements qui sont pratiques pour l'allaitement et pour la grossesse, mais on peut très bien les porter sans ça aussi. Là, je vous montre un petit peu, je suis désolée pour le chenille autour de moi, mais du coup ça c'est le haut que j'ai choisi aujourd'hui, et puis dessous en fait vous avez simplement une robe qui fait un petit peu comme une salopette, donc avec des bretelles qui remontent sur les épaules, et en fait pour allaiter du coup c'est hyper pratique parce qu'on ne voit absolument rien, le ventre est couvert comme il y a cette petite partie là, et puis du coup c'est très discret. Moi j'aime beaucoup ce système là, même si j'aime beaucoup les vêtements qui sont décolletés. Ça c'est des vêtements que j'utilise très facilement, et comme j'ai pas mal de hauts et de bas, et ben ça me fait vraiment plein de tenues différentes. Et du coup j'ai découvert que si j'achetais des crop tops qui sont un tout petit peu longs, comme le haut que je viens de vous montrer de chez Zara, on a la possibilité de faire le même système, c'est à dire d'utiliser les bases de chez Leadpool et puis de combiner simplement avec un haut d'une autre marque qui est un crop top. Du coup voilà ce que ça donne, j'aime vraiment l'effet. Bon, il est transparent, mais avec de la lingerie noire dessous ça va, c'est pas choquant, ça reste super décolleté, ça me plaît pas mal, et puis j'aime bien le côté où vraiment au milieu c'est noué, et puis derrière c'est un petit peu plus long que devant. Pour allaiter pareil, c'est trop pratique. Du coup je pense vraiment que je vais l'utiliser cet été, surtout que c'est archi léger, et je l'ai payé quelque chose comme 6 € je crois à Zara. Sinon à Tallywell le même jour, j'ai trouvé ce petit crop top là. Il va falloir que je resserre un petit peu les bretelles parce qu'elles sont vraiment trop larges. Je crois que je l'ai pris une taille trop grande, je l'ai pris en L, j'aurais dû le prendre en M je pense, sachant que j'ai une forte poitrine. Je me suis dit que potentiellement j'avais besoin d'une L, mais pas du tout. Et c'est pareil, c'est un petit crop top un petit peu transparent qui est vraiment super léger. Et je pense que je peux tout à fait le porter avec les bases de chez Leadpool, donc je vais essayer. Celui-là, j'ai même plus le prix parce que je l'ai pris au solde chez Tallywell, mais sur l'étiquette, il n'y a pas du tout l'étiquette des soldes, donc je sais pas combien il m'a coûté, mais il me semble que c'était plus ou moins le même prix que le crop top de chez Zara, 6 ou 7 €. Et du coup, ça donne ça. J'avais peur qu'il soit pas assez long, mais en fait, je constate que ça va très bien. Il faudrait juste peut-être que je resserre un tout petit peu les bretelles encore. Je trouve que c'est vraiment sympa, l'effet est chouette. Et puis après, même porter par-dessus une robe assez basique, je trouve que ça peut être sympa. Chez Tallywell également, j'ai trouvé 2 shorts, dont celui-ci. Il est comme en lin, je sais pas si c'est réellement du lin, mais la texture est vraiment agréable, et pas du tout, c'est du coton. Du coup, je l'ai essayé plutôt avec un haut que j'ai acheté aussi au solde que je voulais vous montrer après. Celui-ci vient de chez New Yorker, je sais pas du tout si vous avez ce magasin en France, mais j'imagine que oui. Et c'est type un petit peu nuisette, donc avec des dentelles devant
et derrière. Et puis c'est un haut qui est tout satiné, qui est hyper léger. Moi en été j'adore porter ce genre de choses. Cet été je sais pas si c'est à la mode mais j'en trouve partout et c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Du coup souvent j'en trouve au rayon lingerie, là pour le coup c'est dans les rayons haut. Et du coup avec un short taille haute ça donne ça. Et je trouve que c'est plutôt sympa. D'ailleurs ce short je l'aime bien parce qu'il a un tissu qui est relativement épais. La qualité des coutures est pas géniale, après c'est un magasin vraiment assez cheap. Mais c'est vrai que le tissu est relativement épais et du coup il ne remonte absolument pas entre les cuisses. Moi j'ai toujours ce problème quand je marche dans la rue longtemps avec le chaud et tout, j'ai mon short qui remonte entre les cuisses et je déteste ça. Là pour le coup je n'ai pas besoin de le redescendre, c'est plutôt pratique. Et le dernier truc que j'ai ramené de chez Tallywell c'est ça, que j'ai essayé hier, c'est le seul article que j'ai essayé avant de vous montrer et franchement je suis absolument pas convaincue. Enfin, je l'ai vraiment pas payé grand chose, il était aussi dans les 6-7 euros, mais franchement la forme est vraiment pas géniale. En fait le souci c'est qu'il est particulièrement ample et du coup ce qui se passe c'est que comme je suis déjà assez ronde, ça amplifie encore les rondeurs, je trouve vraiment pas joli. C'est pas très valorisant. Je sais pas, je trouve que ce short n'apporte rien du tout, du coup ce que je vais faire c'est que je vais le revendre. Puisqu'on a un vide dressing qui est prévu le mois prochain, je vais simplement profiter de cette vente pour revendre ce short. Sur Zalando Lounge, donc pas spécialement en rapport avec la période de solde, mais j'ai trouvé cette jupe là, qui est une jupe style cuir mais qui est pas du tout en cuir, elle est toute boutonnée sur l'avant, et puis je sais pas si vous voyez l'effet sur la ceinture, je trouve ça trop sympa. C'est une jupe taille haute qui est jaune moutarde, j'adore cette couleur, je n'ai jamais rien porté qui ait cette texture là, à part pour sortir dans des soirées un petit peu particulières, et du coup je me demande vraiment ce que ça donne porté. La marque c'est Mint & Berry, et elle était moitié prix je crois. Et du coup ça donne ça, je trouve vraiment sympa. Par contre je me demande si elle est suffisamment serrée. Je pense que si elle était une taille en dessous ça serait plutôt pas mal, mais après elle est vraiment jolie, on voit que c'est de la bonne qualité. La seule chose que je lui reproche comme ça c'est que les boutons sur l'avant sont assez mal cousus. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais simplement recoudre tous les boutons avant d'en perdre un dans la rue, parce que ce serait un petit peu dommage de se retrouver en culotte. Les deux derniers achats en termes de vêtements c'est celui-ci qui est aussi un petit haut de chez New Yorker qui est vraiment plus fin que celui que je porte sur moi. Il est pas du tout satiné mais il a une texture qui est très agréable, aérée. Je trouve vraiment qu'il est joli et puis ça reste des choses assez basiques qu'on peut mettre hyper facilement, soit avec des jupes taille haute, soit avec des shorts taille haute, ce que je porte absolument tout le temps quand c'est pas des robes. Et du coup je suis assez contente parce que c'est de toute façon le genre de haut desquels j'avais besoin. Et le dernier haut que j'ai pris c'est un petit haut qui a l'air assez basique, aussi de la marque Mint & Berry, que d'ailleurs j'ai acheté pour le porter avec la jupe un peu style cuir parce que c'est pas des choses que je vais porter en été forcément. Et je sais pas si on voit à la forme du col mais c'est un petit côté un petit peu vintage. Moi j'adore les cols comme ça et franchement ça c'est un haut que j'ai essayé, que je vais pas réessayer maintenant parce qu'il fait vraiment trop chaud, mais il est tout près du corps et il est très confortable, la qualité est vraiment super. Et maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté en termes de maquillage. Je cherchais en fait à la base pendant ces soldes une grosse palette pour les yeux, donc de fard à paupières, et j'en ai quelques-unes mais c'est tout dans les tons bruns, ocre ou alors les couleurs de Noël, donc des couleurs assez foncées avec des paillettes etc. Et moi je rêve de trouver une palette qui soit vraiment complète, où on ait plein de couleurs un petit peu plus pétantes pour enfin pouvoir oser mettre d'autres couleurs que ce que je mets généralement, c'est-à-dire pas grand chose comme vous le constatez. Et j'ai absolument pas trouvé de palette, donc si vous avez des conseils, je sais pas si vous connaissez des boutiques en ligne qui font des soldes sur le make-up, même chez Sephora j'ai pas regardé, donc si vous avez des bons plans de fard à paupières qui soit hyper pigmenté et qui puisse m'intéresser parce qu'ils sont soldés, c'est avec grand plaisir que je vous demande les liens en commentaire. Et puis du coup je suis allée chez Kiko où j'ai trouvé des petits masques comme ça que j'ai absolument pas encore essayé, et là pour le coup c'est un masque pour les yeux au café. Moi j'avais plutôt envie de quelque chose qui soit hydratant mais ils en avaient absolument plus. Ils avaient celui-ci qui est énergisant, mais comme j'ai des grosses poches sous les yeux et que je dors très peu en ce moment, je pense que c'est plutôt pas mal, donc j'en ai pris deux qui étaient moitié prix et je vais les essayer je pense ces prochains jours. Je vous fais volontiers un retour si ça vous intéresse. Dans la même gamme de produits j'ai pris un masque pour le visage. On a souvent l'habitude de voir des masques au charbon pour le visage en ce moment, mais par contre celui-ci c'est pas du tout un de ceux qu'on arrache et qui arrache tous les points noirs et les peaux mortes etc, mais c'est pour purifier le visage et j'avais envie d'essayer donc je vais essayer. Et j'ai pris aussi ça mais vraiment juste pour essayer parce que j'ai pas les mains archi sèches, mais c'est des gants qui font effet masque pour les mains, donc on enfile, qu'on laisse poser je crois une quinzaine de minutes et puis ensuite on peut simplement essuyer les mains et puis ça fait un soin à l'aloe vera qui doit pas être tout naturel. Toujours chez Kiko j'ai découvert quelque chose que j'avais jamais vu, ils ont une gamme qui est soi-disant clean. J'ai pas vérifié parce que si je partais vraiment sur du make-up clean et sur des soins clean, je partirai pas chez Kiko, j'irai bien évidemment dans d'autres marques, genre Avril Cosmétiques. Mais par contre j'ai trouvé ça, qui s'appelle Green Me Facial Cleansing Bar. C'est un pain de savon qui est vraiment super joli, en plus je l'ai essayé parce que j'en avais besoin, j'avais plus de démaquillant. Et il se présente simplement comme ça. C'est un savon nettoyant pour le visage pour retirer le make-up. Donc j'ai pas essayé sur les yeux évidemment, par contre sur tout le reste du visage ça part super bien. Et du coup ça évite d'utiliser des lingettes, même lavables, parce que je trouve que c'est toujours sympa si on peut éviter de faire de la lessive ou alors de remplir les poubelles. Du coup j'ai essayé ça juste en l'appliquant avec la main, en frottant un petit peu avec les doigts et puis en lavant mon visage avec de l'eau froide après pour refermer les pores, et franchement je suis hyper étonnée, il est génial, il sent super bon. Du coup ça franchement si vous passez à Kiko et que ça vous intéresse comme type de produit, je vous conseille vraiment d'essayer. Toujours chez Kiko j'ai pris trois vernis à ongles. En fait quand j'étais plus jeune j'adorais me mettre plusieurs couleurs sur les ongles, un peu dans ce genre là. Du coup j'ai pris ces trois bleus là que j'ai posé ensemble sur mes ongles comme vous le voyez, et j'aime vraiment trop l'effet que ça donne. C'est des vernis que j'ai pas vu en rentrant dans le magasin parce que c'est aussi quelque chose que je cherchais à la base, et puis en fait en sortant j'ai vu qu'ils en avaient vers la sortie et qu'ils étaient quelque chose comme 1€ la pièce. Du coup j'ai pris ces trois là que je vais sûrement réutiliser. Ceux-là, vous voyez que je les ai essayés sur mes ongles ce matin, donc
je sais pas la tenue ce que ça donne. Par contre la pose est super facile, ils sont épais. Moi j'ai mis deux couches mais je crois pas qu'il y ait vraiment besoin de mettre deux couches, à part si vous voulez vraiment que ça tienne sur les jours, mais franchement je suis assez étonnée de la qualité. Après on verra sur les jours qu'est-ce que ça donne. Je pourrais aussi vous faire un topo si ça vous intéresse. D'ailleurs si vous voulez une vidéo sur les produits make-up ou les produits de soins que j'ai le plus de plaisir à utiliser, je fais avec plaisir un truc comme ça parce qu'il y a pas mal de produits que je commence vraiment à apprécier. Toujours chez Kiko, j'ai pris ce petit blush là. Je n'ai jamais mis de blush. Moi ce que je mets en général c'est une espèce de poudre soleil, donc quelque chose qui fait un peu effet bronzé, que je viens placer ici, que là j'ai absolument pas mis parce que je pensais essayer. Et du coup j'ai acheté ça pour essayer de mettre un petit peu par-dessus un tout petit peu de couleur pour rosir un petit peu mes joues et puis donner peut-être un petit peu plus de vie. Donc on verra bien ce que ça donne. Chez Kiko encore, j'ai trouvé ce petit crayon ici qui est un crayon pour illuminer le teint, illuminer les yeux. Ah je l'ai pas essayé mais c'est vrai que moi j'utilise souvent des choses comme ça, donc pour mettre un petit peu de blanc ou alors simplement de beige clair à l'intérieur de l'œil ou encore sous l'œil ou bien sous les sourcils, vraiment pour définir bien les parties du visage. Et du coup c'est un duo, on a un côté qui est vraiment couleur chair assez clair et l'autre côté qui est beige assez clair aussi, mais ça va permettre vraiment de pouvoir jouer avec les coloris et les teintes. Dans la marque NYX j'ai trouvé ça, j'ai déjà pas mal de produits de la marque NYX mais ce genre de choses j'avais jamais essayé. Je suis absolument pas habituée à faire des contouring, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse, mais c'est vrai que j'aime bien modeler mon visage et puis essayer des choses différentes, et du coup je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'essayer. Le truc vraiment sympa c'est que c'est exactement les mêmes teintes que l'illuminateur que je vous ai montré tout à l'heure de la marque Kiko, du coup potentiellement je pourrais faire quelque chose peut-être d'intéressant avec ça. Toujours chez NYX j'ai pris ce liner qui est énorme, vraiment, d'ailleurs il s'appelle Super Fat Eye Marker et c'est un marqueur pour les yeux, donc un liner simplement. Vous voyez que moi je fais presque tous les jours, en tout cas quand je suis maquillée en vidéo, en photo, je fais toujours le trait d'eyeliner avec un effet un petit peu œil de chat, donc ce truc là ne sera pas forcément adapté à ça parce qu'il est vraiment pas fin, donc ça risque de faire des pâtés, mais je suis toujours assez curieuse de la tenue de ce genre de produit et du coup j'ai eu envie d'essayer, donc je l'ai pris. La dernière chose que j'ai pris c'est quelque chose qui n'était pas soldé, c'est un rouge à lèvres de la marque Sephora. Moi ces rouges à lèvres là je les adore, c'est des rouges à lèvres qui sont liquides, donc qui s'appliquent vraiment différemment d'un rouge à lèvres bâton. Ils sèchent super vite et en fait le truc génial avec ça c'est qu'il n'y a aucun transfert. Moi j'ai essayé plein de rouges à lèvres sans transfert différents, donc ils font tous plein de promesses et en fait le résultat c'est que soit ça s'écaille sur les lèvres, soit ça fait une texture vraiment pas agréable et du coup pas naturelle sur les lèvres, soit alors il y a quand même des transferts quand on fait des bisous à bébé, à son chéri, enfin voilà, je trouve ça pas cool. Ceux-là de chez Sephora, ils sont pas si chers que ça et ils tiennent super longtemps. J'utilise que ces rouges à lèvres là, à moins que ce soit vraiment juste pour une séance photo, et dans ce cas-là j'utilise un rouge à lèvres bâton, mais ceux-ci sont vraiment géniaux. Et moi j'avais pas mal de couleurs qui tiraient légèrement vers le bordeaux, vers le brun, et j'aimais pas spécialement ça, j'avais envie de quelque chose de plus pétant, donc là c'est ce que j'ai mis maintenant. Donc c'est vraiment un rouge assez flashy, et du coup vous voyez qu'il y a absolument aucun transfert. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je sais que c'est pas du tout le genre de vidéo qui va plaire à la majorité de celles qui me suivent sur Instagram, c'est pas grave, il en faut pour tous les goûts. Et en fait sur YouTube, moi je mets vraiment un point d'honneur à faire des choses qui me font plaisir. Et ce genre de vidéo, je trouve que c'est agréable, surtout que je vais pas en faire souvent. Donc voilà, je la fais pour moi, pour celles que ça intéresse. Et si vous avez des conseils, si vous avez des astuces beauté, si vous avez des questions ou quoi que ce soit à partager à ce niveau-là, vous pouvez sans autre me contacter sur ma page Pin Up Mom avec le petit trait en bas. Je vous réponds avec grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Ici, on parle de self-love, on parle de maternité, on parle d'allaitement, de portage, mais aussi simplement du fait d'être une femme dans son ensemble. Et je me réjouis de vous retrouver sur les prochaines vidéos. À tout bientôt !